Sim-Sim, c'est comme ça qu'elle m'appelle, maman. Siméon est un enfant de la Deuxième Guerre mondiale. Son père est au combat et en plein exode, il perd sa mère. Je me relève, tout le monde court partout. Moi j'ai peur, j'appelle maman. À leur arrivée dans la salle de classe, les élèves de CM2 de Lampertheim ont découvert leur nouveau camarade. Bon, t'es tout seul? Oui. Où est-ce qu'elle est ta mère? Et le bébé? Je sais pas, je les ai perdus. Oh, sans blague! J'ai trouvé que le spectacle, on pouvait vraiment s'y croire. C'est comme si on y était. Il y avait de la peine, du rire aussi. Quand j'ai froid, mes mains, je les remonte dans mes manches. Marche, marche, marche. Hey, l'herbe givrée s'écrase sous mes souliers comme la laine d'un mouton géant. J'ai trouvé que c'était très interactif. Il était près de nous et il bougeait entre nous et c'était pas du tout comme les autres spectacles. Si on se perd, essaye de retrouver l'école, lui avait dit sa maman. Finalement, Siméon se retrouve 80 ans plus tard en Alsace, comme un voyage spatio-temporel. L'idée, raconter le quotidien d'un enfant en temps de guerre. C'est comment on vit, est-ce qu'on ferait pareil que Siméon? Est-ce qu'on aurait le courage de partir d'un orphelinat pour essayer de retrouver sa mère tout seul? Est-ce qu'on aurait ce courage-là? On est plutôt là-dessus. Sur essayer d'avoir, de leur amener des réflexions. C'est un feu d'artifice. Maintenant, il n'y a pas de fête pendant la guerre. C'est l'orage. Je suis à l'abri, ça va. Reste pas là, Sim-Sim. Si les soldats t'attrapent, tu sais pas ce qu'ils vont nous faire. À l'heure actuelle où on accueille des Ukrainiens, c'est aussi une porte ouverte à parler de ça avec les autres enfants. La nuit, quand c'est la guerre, ça s'appelle le couvre-feu. Faut pas faire un seul bruit. La guerre à hauteur d'enfant, la séparation, l'entraide et l'imaginaire comme force de résistance sont autant de thèmes abordés durant l'heure de spectacle. Un travail de mémoire auquel est attachée la commune.